Bonsoir tout super branché émission Island TV spécial. Je dis aussi un plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous porter émission ça pour bien que nous qu'a dit semaine qui s'est passée à ne pas de émission, nous connaît à cause problème gaz qui toujours gagné dans pays d'Haïti, ça qui la cause et invité eux même yo pas qu'à déplacer et surtout yo était loin donc ils ont invité qui fait choix venir dans émission, c'est un pile sacrifice li fait pour l'été Kavin participer dans l'émission avec nous dans Island TV. Nous remercions déjà l'invité qui est avec nous. Et l'émission, nous connaissons toujours à débattre sur l'actualité qui est politique. Nous connaissons la situation pays d'Haïti trouvé le jour et jeudi. À part problème politique, nous avons problème gaz, nous avons problème santé, et nous avons problème insécurité, problème grand goût, chômage, kidnapping dans lui-même qui a valé terrain. Et nous toujours dit le kidnapping dans cet encourage américain, tantôt le monte, tantôt le descend. Et ces derniers temps, nous avons tôt et kidnapping dans lui élevé en pile, côté grand pile par an, en pile moun yo kidnappé, et a demandé des milliers de dollars, malheureusement nous pas possédé. Et nous gardons tout et insécurité a. Et cap valé terrain dans toute zone, dans tout quartier, il y a un chef gang cap dirige. Nous connaissons une rentrée sud capitale là et problème a toujours été là avec plusieurs gangs armés qui installés là dans Croix des Bouquets, Badelma, La Boule. Et c'est toujours même cas de figure là. Donc nous-mêmes nous rete seulement attendre qui ça gouvernement lui-même a dit. Et gouvernement lui-même a obtenu blanc, donc c'est un enchaînement jusqu'à présent. Nous pas connaît qui le, qui joue, qui date. Pays d'Haïti lui-même l'a sorti dans souffrance prolongée ça. Je dis à nous gars avec nous sous plateau Island TV, Céliscor Jean Élisée qui est responsable politique et parti politique Chemin Délivrance Haïti, lycée membre Alliance pour Transition Constitutionnelle. Je dis un libre à louer avec nous actualité pays d'Haïti, surtout sur le plan politique. Et nous avons divers et partis politiques eux-mêmes qui fait des propositions. Déjà nous connaissons un accord eux-mêmes qui était venu avec en commission. Côté où tu choisi premier ministre, président, on a parlé là de Akko Montana. Et jusqu'à présent, Mounsa ou Poko KCG, bien que la communauté internationale l'a rencontré avec eux pour nous connaître exactement qui ça qui doit être fait pour le pays à délivrer dans sa lié là. Eh bien, nous avons leader petit de Saline lui-même qui fait proposition pâle. Il y a différents autres partis politiques qui viennent avec des noms pour ta vine diriger le gouvernement transition. Et jusqu'à présent, rien n'est beaucoup dit. Et mais Lila avec nous, les va regarder ensemble l'actualité. Et Céliscor, c'est un plaisir pour nous guérir sur le plateau Island TV. Et merci, et Madame Gerdy. Et c'est un plaisir également, bon côté nous, et au niveau Chemin de Délivrance Haïti, et l'Alliance pour une transition constitutionnelle. Et plaisir ça partager avec toute l'équipe là, qui choisit d'accorder nous opportunité ça. Et tout militant Chemin Délivrance, Alliance pour une transition constitutionnelle, des membres de la diaspora haïtienne, content d'initiative ça. Et je dis à nous gagner opportunité pour nous venir échanger ensemble avec vous sur ensemble situation et qui d'actualité sur le plan politique, économique et social qui a traversé la société haïtienne. Et comment nous-mêmes nous sommes capables d'en participer pour redresser la barre, pour permettre que nous retournions à la situation normale. Donc c'est ensemble d'éléments qui motivent nous à mener nous là aujourd'hui, que nous comptons pour nous parler ensemble avec vous pour le bonheur d'Haïti. Ok. Avant de parler de Alliance pour transition constitutionnelle là, on parle de Chemin Délivrance. Et nous, dans Chemin Délivrance, nous sommes plus jeunes qui mettaient en bataille là pour parler soit vérité ou bien chercher une solution pour le problème. Nan. Je dis, nous avons dit Parti politique Chemin Délivrance Haïti. Est-ce que ils sont structure, une organisation ou bien un parti politique lui-même, nous connaissons sa parti politique Vledi dans le pays d'Haïti et qui gagne toute chaille sous doule. Est-ce que nous avons dit ils sont structure, organisation ou bien un parti politique? Merci pour la question qui a animé et de beaucoup d'élégance et qui a pris l'importance pour nous tous, puisque lors du Chemin Délivrance Haïti, et c'était d'abord un mouvement qui prend naissance à partir de l'année 2020, qui gagnait de revendications, que vous portez en début de revendications populaires, mais comment est-ce que l'État? Et où est l'État? La meilleure façon pour nous mettre en campagne l'État fort, c'est la
restructuration des institutions républicaines, c'est-à-dire le renforcement des institutions républicaines. Et ça fait voir que toute bataille n'a fait, l'a fait autour de, des institutions républicaines, autour de la loi. Mm-hmm. Comment pour renforcer l'État, un État de droit à travers la loi, mm-hmm. à travers les institutions républicaines. Donc, c'est, ça a été un mouvement et qui, par la suite, par le regrouper un ensemble de partis politiques et d'organisations qui va arriver à une plateforme politique que je dis à nous parler, qui est enregistrée, qui a fait ce route-là, et pas sous peu, qui va être publié dans le journal Le Moniteur. Okay. C'est-à-dire que nous, c'est une plateforme politique, mais qui regroupe un ensemble de partis politiques du centre-gauche. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas un bagage droite et gauche qui prend de groupe gauche, de droite, non. C'est de regroupement politique de l'extrême gauche et du centre-gauche qui a bataille. Nous connaissons depuis nous dit la gauche, c'est une bataille pour que c'est l'État qui distribue les richesses mm-hmm. et qui vous permette que la population elle-même ait accès à un ensemble de services, à un ensemble de richesses que la société elle-même possède. Mm-hmm. Donc ça, c'est le chemin de l'univers qui sortit d'un mouvement politique à une plateforme politique que jeudi on a parlé là, qui a continué de travailler ensemble avec de l'autre groupe politique pour comment nous avons fait le pôle politique. Et demain, si Dieu veut, nous allons diminuer ensemble de partis politiques qui parlent pour l'élection. Nous allons arriver à jouer 5, 6, 7, 8 pôles qui ont l'élection en lieu et place de 105, 106 partis politiques qui ont l'élection. Mm-hmm. C'est ça. Donc, et nous-mêmes, nous seulement siégés dans la capitale-là, est-ce que nous n'avons pas des représentants dans différents départements du pays d'Haïti? Ah oui, nous chargés presque dans toute région. Mm-hmm. Par exemple, les bon, la diaspora haïtienne, nous gagnons Gallup for Haiti, nous gagnons qui États-Unis, nous gagnons Haiti Matter, nous gagnons et Solide et qui c'est on structure qui dans la diaspora. Mm-hmm. Par exemple en Haïti, nous gagnons coalition pour sauver la commune qui Petit Guave. Okay. Nous gagnons et regroupement des femmes du Sud, nous gagnons et alliance des jeunes étudiants qui a bataillé pour côté dans le plateau central. Nous gagnons et parti politique et Action Patriotique qui sont partis qui dans le Grand Nord. Là. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous avons plusieurs structures organisées qui travaillent ensemble avec nous dans toutes les régions du pays. Hein. Mm-hmm. Et donc nous-mêmes, nous, et au niveau capital, là, on a des partis politiques qui sont là, qui sont présents. Donc, en gros, c'est pour vous dire que le chemin de divorce à Haïti, il y a des côtés des organisations populaires, mm-hmm. et des côtés des partis politiques, et des côtés des organisations de la société civile qui regroupent en dedans structure politique ça, qui a bataille pour que c'est l'État qui non seulement renforce cette ligne, et c'est l'État qui redistribue les richesses pour permettre que chaque citoyen, de façon équitable, bénéficie de richesses pays à posséder. Mm-hmm. Et Chemin de Délivrance Haïti fait plusieurs conférences pour la presse et parfois nous pouvons participer là-dedans. Mais nous toujours, ouais, nous toujours prenons et charge peuple haïtien. Des gens qui vivent dans le pays d'Haïti, nous voyons qui souffrent, la population a pas duré malgré diverses manifestations faites et pour faire revendications passer, mais malheureusement, on n'y peut pas, j'aime dire. Et dans la conférence, dernière conférence, et nous te baillons, par contre, c'est ma bien dit, nous te parlons de en solidarité pour l'application et constitution 1980. Et cette-là, elle est appliquée. Donc là, est-ce que nous avons dit qu'il y a une constitution qui est respectée dans le pays d'Haïti? Déjà, nous connaissons comment. PM Ariel Henry lui-même, il vient premier ministre. Nous connaissons qui s'est passé sous gouvernement président Jovenel Moïse. Là, un peu de monde dit la constitution n'est pas respectée vraiment. Donc, je dis, on a demandé pour faire appel à la solidarité pour ça. Mais est-ce que vous pensez que l'appel à la solidarité est en faveur de nous-mêmes, population? Et encore une fois, une très belle question qui suscitait beaucoup d'intérêt. Puisque ça n'a pas vivre là aujourd'hui, hein. C'est pas seulement pendant nous dormir, un jour, nous lever, nous joindre. Mm-hmm. Ça, c'est le résultat d'un ensemble de désordres, résultat d'un ensemble de brigandailles, mm-hmm. que de monde nous t'est confié de responsabilité dans l'État, que de monde nous t'est confié de responsabilité dans la société civile là pour surveiller, que de monde n'a fait de partenariat ensemble avec eux au niveau de la communauté internationale, nous pas arriver à faire ça, nous t'est supposé faire. Par exemple, et à partir de 2021, 7 février 2021, société a fait une grosse analyse qui était hautement académique et intellectuelle sur la Constitution. Mais, parlant de la Constitution, on a parlé de question de Constitution 1987 amendée, mm-hmm. qui était mettée en grand article qui l'a donné, qui c'est 184, mm-hmm. qui était dit que
quelle que soit date élection commencée, le président par l'installe, il doit considérer le mandat commencé. Justement. Et c'est sous calcul ça qu'il y a un pile de monde qui réfléchit, des organisations de droits humains, de professionnels, socioprofessionnels. Je te dis que le mandat président Jovenel Moïse a fini parce que l'élection a été commencée depuis le 9 août 2015. C'est-à-dire que ça, c'est une possibilité que tu gagnes pour que toute société a été levée et dit, mon cher président Jovenel Moïse, on va arrêter. Mais tout à l'heure, il y a des groupes qui ont des privilèges bon côté, qui ont dit non, le mandat n'est pas fini, le mandat a commencé en 2017, bah, ça va le vivre, mais non, go tolé. Et le 7 février 2021, malgré le CSPJ, qui c'est une autre instance, un co-dépositaire de la souveraineté nationale, il peut dire à président Jovenel Moïse, le mandat est fini, on va aller. Le président Moïse n'est pas d'accord, il a le pouvoir. Ça, ça a été un coup d'État. Puisque la Constitution prévoit que le mandat fini au Kembil. Donc, il y a le pouvoir, et depuis lors, on a bataille liée avec plusieurs secteurs pour que le pouvoir l'hériter sous pouvoir. Maintenant, avant ça, nous sommes arrivés ouais, que le Premier ministre, puisque la Constitution de 1987 a mandé, il dit que le président mandat fini, il n'a pas organisé l'élection, bien empêché le gros problème. C'est dans la troisième année, c'est le Premier ministre. Dans la quatrième année qui se fait le mandat, c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais selon l'analyse que j'ai faite, c'est que le Premier ministre d'alors, il n'a pas été passé par devant le Parlement. C'est-à-dire que, pas de Premier ministre qui officiellement, pas de Premier ministre qui légal, selon les dires de la Constitution. Nous gardons nous l'Assemblée nationale là pour remettre pouvoir dans l'Assemblée nationale, là, dans le Parlement, il faut qu'il y ait l'Assemblée nationale. C'est sa Constitution amendée à dire. Donc, c'est qu'il y a deux tiers du Sénat en 2020. Et le 19 janvier 2020, vous vous rappelez que le président Jovenel Moïse était renvoyé avec ainsi que la Chambre des députés. Donc, pas gagné l'Assemblée nationale. Donc, nous-mêmes, il y a un élément basique du droit qui dit que lors d'une situation où il y a une confusion en deux ou plusieurs textes de loi, on se réfère au texte le plus ancien, au plus ancien texte. Ça, c'est un élément basique qu'on va se faire droit pour comprendre dans la société. Mais, et nous pouvons le comprendre puis devant nous-mêmes au niveau de l'Université d'Haïti, qui intérêt est manifesté contre la Constitution. Son intérêt, immédiatement, il commence à attaquer dans la loi, dans l'institution, son façon pour mettre ça en forme de débonnaire dans la société à côté que n'importe qui a fait ça. Ce n'est pas pour ça raison que je dis, ouais, Fatah, tout côté, il y a un responsable pour ramasser Fatah. Un homme qui a décidé de prendre un revolver, il débarque la caillou, il prend tout son procédé, il débarrasse la caillou. Je n'ai pas la perdre, je n'ai pas le tout côté. C'est-à-dire que, il y a une volonté pour te banaliser les lois de la République, la mythologie haïtienne. C'est ça, la volonté. Et c'est volonté ça que nous là. Donc, comme jeunes qui ont fait politique, nous, c'est des jeunes qui ont l'école, qui forment du groupe, qui comprennent la dynamique politique, nous disent voilà ce qu'il faut faire. Et deuxième élément, nous avons réfléchi sur le pragmatisme comme étant un élément qui est enseigné dans l'école anglo-saxonne, qui dit que l'homme son leader, son dirigeant, m'a dirigé, faut me tenir compte de citoyens qui ont besoin d'avocats, qui ont besoin de figues. Lui-même, il n'a pas tenu compte de. Il n'a pas besoin de rien, il n'a pas besoin de machine officielle. Mais le besoin qui a passé bon l'arrière pour le vivre et puis le tourner de la Cali, puis c'est à l'école. Ça dit qui ça? À partir de l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a 7 éléments que vous faites. Et nous allons vivre ça, puis devant, c'est l'heure, sénateur Lambert, pour aller en conférence vidéo ensemble avec deux congressmen, parmi Yoshila. Il ne peut pas dire que pas de quelle provision légale et constitutionnelle. Et le congressman n'a pas le passé de la bêtise pour le dire. Est-ce que pas de même ou pas de pas de même ou fiche bolette qui dit même ou précédence, même ou précédent, même ou jurisprudence qui a fait pour nous utiliser? Parce que faut que les sociétés dans l'égalité pour qu'à 10 citoyens, pas chita là, chita dans la machia. C'est-à-dire que c'est ça. Nous ne pas de pays arriver dans cette situation. Et sociologiquement, sur le plan politique, pas de tradition côté que nous avons un problème pour gérer le problème entre nous. Moi, comme éducateur de formation qui travaille sur la politique de l'éducation, beaucoup j'aime y vivre, mais mon cursus éducatif haïtien, côté que gros coup sur la gestion du conflit. Pas que ça dans l'université, pas que dans l'école. C'est-à-dire que l'aide de difficulté, l'aide de petit problème entre nous, ou plus facile, c'est à le traiter dehors, en le traiter dans la famille. C'est-à-dire que nous t'évelons, nous animer premièrement, dans le sens et de pragmatisme politique pour éviter que le pays arrive là. Parce que le pays a perdu 6, 16 mois, ça n'a pas vivre là. 16 mois, c'est bagaille pour tirer dans 15, 20 ans encore. Ça a perdu là. Or, ça ne va pas coûter rien que vous avez fait ça, la Constitution 1987 l'a dit, leur retourner dans le texte précédent, aller vers la Cour de cassation, prendre un juge, occuper la présidence, et puis monter au gouvernement d'entente nationale, comme c'est eux-mêmes qui touchent dans l'espace politique là, pour faire élection ensemble avec eux rapidement, et pour retourner le pays en une égalité normale. C'est ce bagaille ça. Dans 16 mois. Donc, mais dans 16 mois, je veux dire,
exprimer misère nous, l'albol nous. Que tu aies son petit mot, son n'importe quoi, ça a fonctionné là. Oui. Là, sur le frère que moi-même enseigné, et Marguerite Dioville, les soeurs Marguerite Dioville nous enseignent, et puis, ça dit que l'école, même si tu as dit l'école là, oui. Bon, on admet que le premier ministre Ariel a tourné sur décision, il dit comme ça que le prix de l'essence est retourne au prix normal. Mm-hmm. Et que tout le monde d'accord pour fonctionner, mais on ne peut pas descendre là sur le frère. On ne peut pas descendre Bibadelma. C'est-à-dire que, il n'y a pas pragmatique et monde qui a fait politique pour qu'il voulait administrer la cité. Et c'est dans la dynamique ça que nous ne voulons pas vivre dans une situation côté que mon pays a perdu 2 ans après toutes 4 ans et demi, je venais le faire là, des ordres. C'est là que nous avons besoin de vivre avec acteurs politiques. Parce que nous avons besoin une fois que nous allons parler d'accord, il y a qui va dire ça que, et après, sauf ça, mal place là, s'entendait à nous perdre une journée moulin. Donc maintenant, comme nous avons fait politique, c'est capacité pour comprendre l'ordre dirigé, qui ça pour nous faire. Pour éviter que un jour n'est perdu, voire vous avez perdu 16 mois que j'en ai vivre là, je veux dire. Et c'est dans la dynamique ça nous-mêmes nous t'es inscrit nous, au niveau chemin de l'Ivance. Et que nous t'es dit que en aller vers la cour pour nous combler ville présidentielle là, c'est qui sont tradition tout. Et puis pour un juge en bas, parce que mettons président, vous vous rappelez en 2004, Boniface Alexandre, c'était un président figurant. Mais et celui qui possédait le contrôle du pays, c'était le premier ministre. D'alors, c'est-à-dire que c'est ça que nous devons arriver dans une situation pour éviter le pays a perdu 16 mois, 20 mois. Mais nous, dans cette situation-là, nous avons perdu fin d'année. Là. Donc, on pratique que nous perdu et que nous-mêmes, comme jeunes, nous pas souhaité. Mais nous sommes passés, nous sommes perdus, fait chapitre. Nous perdons bonne bagaille. Et nous sommes là, vous nous perdez le 1er de novembre. Nous ne pouvons pas perdre le 1er de novembre, nous avons perdu le 10 novembre. Nous avons perdu le fête fin d'année. Nous avons perdu le 10 novembre parce que déjà là, nous avons perdu toute fierté. Nous, dans le pays d'Haïti, toute date qui est historique pour nous. Bon, depuis quelques temps, depuis le président Jovenel Moïse, c'est manifestation. Toute date qui est importante pour nous, nous prenons au lieu pour nous faire un chita, pour nous réfléchir, pour nous penser. Qui ça, au moins, nous a fait pour payer ces manifestations, nous faire avec toute date. Nous allons prendre la première pause là, et c'est l'histoire, mais dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de différences qui gagnent. Problème qui gagne dans la constitution qui gagne 87 et gagne la constitution 87 amendée. Nous allons prendre et partir ça, nous allons tenir après. Après pause là, amis téléspectateurs, pour suite émission Ellen TV spéciale et Céliska, et nous avons parlé de même constitution. Est-ce que nous avons dit et constitution lui-même n'a pas de problème pas chaque dirigeant politique prend et article qui marchait non selon eux-mêmes. Par exemple, nous connaissons nous gagne constitution 87, nous gagne constitution 87 amendée et nous songer et président lui-même priorité c'était changer constitution et faire référendum. Là nous t'ai grand pile mon opposition qui pas d'accord. Yo fait connait et président national pas gagne ni titre ni qualité pour ta venir changer constitution pays d'Haïti, c'est parce que lui-même il gagne intérêt pour le changer le qui fait il t'ai vlel et jodi nous en pile dans yo qui était dans opposition jodi nous met dit qui d'accord pour constitution changer. Là, nous avons dit, est-ce que c'est pas président Jovenel Moïse même qui était problème yo, ou du moins ces problèmes pays a été voulu garder ensemble pour résoudre li. Est-ce que d'après nous-mêmes, qui t'a demandé pour une solidarité, ça, et est-ce que constitution lui-même nous parle en lui-même en soi, il y a un problème? Au contraire, il n'y a pas aucun texte qui est parfait. Mm-hmm. Même la Bible. La Bible les subit là près de 4 corrections. Mm-hmm. Et le dernier, c'était le concile de Nicée. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça n'a parlé d'une capacité d'analyse sur le plan philosophique qui est extrêmement haut. Mm-hmm. Mais écoutez, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, en lui-même, constituant, il n'a pas prévu la façon de faire référendum sur l'IA. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en dépit de volonté pour que nous modifions la constitution, c'est toute son œuvre humaine. Mm-hmm. Mais, monde connaît, c'est mon secret pour personne, que volonté à plus manifester dans le côté international. Mm-hmm. Pour changer la constitution. Pour... Parce que la constitution qui est en fait là, dans le bureau de Madeleine, dans le binu, pour venir dire, mais qui ça a ouvert. La constitution ouvert, c'est la constitution pour que
plateau central côté que nous gagne en pile iridium, c'est côté nèg ka décidé l'acheter terre côté ka bon pour lui. OK. C'est constitution ça. Mais c'est son volonté pour changer constitution pour modifier ensemble de règles qui changer dans mœurs nous, dans activité nous, dans jeune comprendre politique. Même pas quoi qu'il y a des problèmes là. Mais on change la constitution à la haïtienne. Mais madame là, il pas besoin de temps dans mi-temps et problème pas de solution. C'est là on besoin arriver. C'est-à-dire c'est une modification constitutionnelle. Donc nous maintenant nous d'accord à modifier tout on mettait d'accord à modifier. Maintenant, je ne parle pas de monde qui que là, je profite de ça, le camarade qui est PDG Ernst Joseph et de Radio Prévention, qui est toujours parlé des mangistes. Mm-hmm. Ceux qui font de la politique pour leur bas-ventre, mm-hmm. ce sont des mangistes. Mm-hmm. C'est peut-être monde qui a cherché des barrières, mais pas la nier. Mm-hmm. Donc, situation côté que nous rendons compte qu'il faut que des barrières qui modifient, nous modifions. Là, nous mettons d'accord sur ça. Mais ça veut dire que nous allons mettre au niveau de l'international qui dit nous fait tel bagaille, nous fait. Mais ce n'est pas ça nier. Maintenant, oui, bon pratique. Et c'est professeur Michel Souka qui parle après nous ça. Côté que, il y a une volonté vraiment pour que chaque monde qui fait politique, alors fait comprendre politique là son mauvais bagage, alors que c'est la meilleure façon d'administrer la cité. D'accord? Et les fils de Souka considèrent que c'est l'art de procéder à une discussion plus éclairée. Mm-hmm. C'est-à-dire que les relations internationales qui permettent de changer le modèle de vie, le modèle d'activité économique qui fait dans le pays. C'est-à-dire que la politique, c'est tout. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être moun qui fait yo. Genre de moun qui fait yo qui dimension yo. Et donc et la politique c'est une activité de salon. On pas prendre n'importe moun pour mettre la donne mm-hmm. qui pas un monde de consensus, de compromis, un monde de respect, de morale, de haute moralité, je dis de haute moralité mm-hmm. et pour mettre pour faire de la politique. Là c'est que là nous-mêmes nous t'es animé de nous t'es mettre de côté de toute volonté pour soit nous gagner intérêt personnel nous en premier lieu. C'est dit ça me là c'est le pragmatisme politique. Comment nous avons évité le pays a perdu 16 mois, 17 mois, 18 mois, 20 mois mm-hmm. Parce que moi, personnellement, comme éducateur, et pourquoi une politique de l'éducation en Haïti, je ne travaille pas pour les acteurs en éducation, mais je fais cours dans l'école. Mm-hmm. Mais l'école n'est pas ouverte, même les universités n'ont pas ouvert. Donc, c'est-à-dire que les professionnels de l'éducation, tout le monde mettait quoi à côté. Les professionnels du droit, avocats, tout le monde qui est dans le cabinet, tout le monde côté pays a fermé. Donc, les activités économiques haïtiennes au total, pas même nocturne, parce que nocturne, ça fait quelques temps qu'on perd du nocturne. Ah, oui. Mais au moins la journée, on a l'activité là où on est à 4 heures. Job 8 et 4 heures que psychologue me parle. C'est-à-dire que c'est volonté ça qui t'a animé nous pour te faire et acteurs comprennent que en nous et aller de façon plus rapide et pragmatique. Donc, ils ne comprennent pas comprendre ça. Et nous-mêmes, dans ce sens, nous lançons une initiative. Et aujourd'hui, ouais, nous ne pas tellement parler du chemin de délivrance Haïti qui débutait, plusieurs autres acteurs, reconstruit Haïti, Get Up Stand-up, Haïti Mardeur. Et nous ne pas tellement parler de lui, Faisceau démocratique haïtien, Action patriotique. Il y a un paquet de partis politiques qui ont commencé avec nous. Maintenant, nous ne pas tellement parler de ça. Aujourd'hui, nous parlons de la solidarité haïtienne pour l'application de la Constitution. Pour qui ça nous dit solidarité, ce sont la presse haïtienne qui, je dis, a en deuil plusieurs journalistes assassinés, en tentative d'assassinat fait sur journalistes. Donc, on ne peut pas dire qui l'a rentré la caillou, ou qui a sorti ou pas rentré. Donc, c'est une solidarité autour du pragmatisme. C'est-à-dire que pour nous rendre compte que. Écoutez, vous avez cité tout à l'heure l'accord de Montana qui fait grand vogue à travers le monde. Mm-hmm. Mais il n'arrive pas vraiment à s'installer au palais national, mm-hmm. à la primature. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Alors que toute notre société comprenne dynamique pour la meilleure façon pour forcer l'international, nous et nos conseils internationaux, qui mettent le premier ministre qui l'a, mm-hmm. meilleure façon pour nous acculer, c'est acculer vers la loi. Montrer que la communauté internationale n'a pas respecté la loi en Haïti, montrer qu'il y a violé la loi en Haïti, montrer que pour moi, je mettais la sur aucune base, mm-hmm. et bien laisser qu'on n'a pas le fonds solidarité internationale à travers la loi. Qu'on a des possibilités de façon rapide pour ne pas parler de questions à Ariel Henry. Et c'est une dynamique ça, ouais. Il y a plusieurs instances, plusieurs secteurs, plusieurs personnalités qui peuvent commencer à rendre compte que ça n'a pas dit à vrai. Donc, et mettre dans le Georges, l'Alliance pour une transition constitutionnelle. Il y a plus d'autres monde qui vient là, de monde qui ont participé à l'écrit constitution 87 là, et qui ont vraiment apprécié l'initiative ça. De monde qui étaient président, de juges dans la Cour de cassation, qui commencent à comprendre, anciens juges qui commencent à comprendre. Et oui, il faut qu'il y ait une solidarité autour de la Constitution pour nous rejoindre aux solutions à ça. Et ça fait, ouais, même l'Église, hein, nous avons moment parlé à que nous avons commencé à faire ça comme on sérieuse que et dans la possession catholique qui va le faire pour faire l'immaculée de conception, ou après que toute initiative ça a participé à travers la solidarité pour que l'Église rende compte qu'il faut aborder
le problème politique au niveau de la Constitution, au niveau de la loi, qui peut permettre que, à la fin de l'année, les fêtes de Noël, nous pas perdu ça. Même lorsque nous n'avons pas l'argent. Certains te disent que malheur n'a pas dans la fête. Oui, nous connaissons que nous décapitalisons, nous faisons pas dans la fête, oui. Mais au moins, les gens qui sont catholiques, qui ont prié, les gens qui protestent, qui ont prié, les gens qui vont nous jeter de l'eau, au moins, qui ont planifié l'avenir famille, l'avenir petite, l'avenir pays, à tout, non, année 2023, qui a pas l'entrée. Voilà pourquoi la solidarité et citoyenne pour l'application de la Constitution l'est lancée, et à travers de gros groupes politiques, dont l'Alliance pour une transition constitutionnelle, Chemin de Livres Haïti et autres, une bonne autre institution, deux autres personnalités qui participent dans l'écrit Constitution 1947 là, rendent compte que, je dis, hein, si vous tendez la raison, mais il y a un problème également. Mm-hmm. Le problème, c'est que, et madame Gadi, ce n'est pas une grande voix de la société haïtienne, ça l'a déjà pas trop important. Que ça, oui. Mm-hmm. Par exemple, c'est pour ça, c'est l'Iscar, c'est un jeune. Ah, un petit jeune. Ah oui. Et il dit toujours. Alors que, dans la grande société, c'est demandé. Mais ça l'a dit là, qui compte le cas utile? Moi-même, je dis que ça m'a dit le cas utile, nous sommes d'accord pour une bonne solution plus rapide. Et nous avons fait un faisceau ensemble pour nous renforcer la police nationale. Là, mandons appui technique à international là, vers la police là, pour nous déblayer Martin. Vous vous rappelez des capitaux qui ont perdu là, dans le Grand Sud, dans le Grand Nord? Les gens sont achetés, ils ont obligé de l'autre bon Mariani, ils ont venu, ils ont été pourris, ils n'ont pas qu'à venir de Port-au-Prince. Oh, nous privés de tout pour acheter aux avocats là, on connaît ça très bien. C'est bien cher. Alors que la caméra est en bec, c'est à descendre là, et puis ils viennent dans un sac pour eux. Hein. Donc, c'est-à-dire que maintenant que la situation de la population prend, et que nous-mêmes, nous avons dit que nous ne pas voulu arriver, pays arriver là, nous avons offert une alternative ça. Peu importe de X ou Y qui est le Premier ministre, cela ne nous intéresse pas. Fritz Jean, Steven Benoît et Joseph Lambert, peu importe, Fétière, je n'ai pas besoin de connaître, mais au final, nous avons une entente rapide, pragmatique, et puis nous commençons à dire nous allons faire ça. Sur la sécurité, on a posé telle action. Sur l'éducation, sur le renforcement des institutions républicaines, sur l'entrepreneuriat. Je dis, il faut qu'il y ait un programme d'appui à l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas dire que les trois jeunes qui font le baccalauréat, qui font l'université, sont venus de moto, nous allons planifier l'avenir. Donc ouais, voilà pourquoi que nous avons dit ça. Pour quitter le pays pour y aller faire tulle blanc. Mais leur arrivée est aussi utile que même blanc. Mm-hmm. Parce que leur force de travail, tout le monde connaît, il est vraiment dense. Et leur arrivée au Canada, c'est des jeunes infirmières, mm-hmm. c'est des jeunes médecins qui ont plus utile société. Or, nous-mêmes, nous ne pouvons pas définir nos politiques publiques pour que nous, au moins, disions que. Et nous n'avons pas gagné assez de l'hôpital pour que nous bâillons de jeunes travail. En nouveau politique publique vers crédit, il y a déjà pour ça. Mm-hmm. Et qui va permettre que de trois jeunes médecins qui viennent étudier médecine, ils ont décidé de faire l'hôpital les Anglais et que l'État mette l'argent disponible pour prêter sur 25-30 ans. Ils vont faire l'hôpital et Corail. Nous au moins décentraliser, au moins déconcentrer les services sur n'importe où. Mm-hmm. C'est-à-dire que son politique qui est plus ou moins éclairée que nous-mêmes nous venons dit à la population, venons dit à la diaspora. Parce que écoutez, en dépit de ça, il y a une volonté contre la diaspora haïtienne. Mm-hmm. Plus de 2 milliards de dollars que vous participez à l'économie haïtienne. On dit que la diaspora qui aime les pays jusqu'à présent là. Mais les pays fermés là, tout le monde a fini de mourir. Oui. Donc, c'est-à-dire que, on dit un monde qui travaille et aux États-Unis, perd du temps, et perd une nuit, lâche ton câble, construit un câble en Haïti, que le bac à rentrer là, vient de 2 milliards de dollars. Ça fait un deuxième, il y a travail, il y a fait deux travail. Premièrement, pour payer kidnapping. Mais famille là dans les kidnappés et tel faut que même me participer et dégager pour envoyer pour mon c'est que c'est une situation ça que nous même nous pas voulons arriver. Écoutez, la force de la diaspora haïtienne, le jour que nous rendons compte ça, Jean est lié en Israël là comme ça la paix ici. C'est pas une démarche d'exclusion, c'est pas ça. Moi j'aime vraiment le challenge. Même n'importe monde qui a n'importe capacité depuis c'est dans le domaine bas, mais on va deviner. C'est-à-dire que moi j'ai capacité pour que moi parler avec quel que soit grand monde de très tôt dans la vie comme de commencer. C'est-à-dire que je dis moi j'ai des amis qui font doctorat dans des domaines bien spécifiques, administration. Écoutez, il y a un échec au niveau de l'administration publique haïtienne, mais on essaye avec deux jeunes qui font des études à l'étranger tout non. Permettre que yo ka vinn essayer porter une réforme à administration politique à administration haïtienne non pour ouais yo même qui sorti à l'étranger qui ça au ka offrir tout. Non. Mais écoutez, une bataille contre vous. Puisque si vous rentrez là, vous avez bien compte lui, vous avez une capacité pour changer, vous avez exclu ensemble de nègres là, qui pas même en pile fois, ils chirent des 3-4 simalis. Mais je veux dire, c'est vous même au timon des affaires publiques. Donc, vous barrez vous. Donc, nous-mêmes, nous voulons rentrer dans une dynamique côté que pour nous ouvrir cadre là. Ouvrir cadre là pour nous rendre compte que nous avons une société qui est totalement jeune, à plus de 62%.
nous avons une société côté que jeunes commencent à éclairer à travers la technologie. Et vous regardez Alain TV, son sont avec ça ordinaire également. Donc, faciliter force de travail, ça. Faciliter capacité, ça, qui est capable, utile, demain, si Dieu veut, à au moins une ouverture, à un développement maximal de société haïtienne. Parce que la société haïtienne a besoin de développement en profondeur. Parce que nous avons besoin de ça. Parce que faut que nous arrivions dans cette situation-là. Je veux dire, nous pas qu'à une situation côté que nous mangeons, nous ne pouvons pas résoudre. Et de monde qui a forcé au monter machine de dial c'est crève cœur monde qui a plein nous pas ramasser fatra c'est pas sérieux ça c'est pi bas niveau que rivé là et nous vivons dans une situation qu'on a mais n'a pas empêché ti monde à l'école donc là il faut nous camper en quoi contre lui n'a pas empêché monde parler dans la presse depuis monde parler nous tuer mais c'est pas sérieux c'est au niveau qui est extrêmement primitif donc nous même au niveau et chemin de délivrance l'alliance pour une transition constitutionnelle qui l'initiative qui est la solidarité citoyenne pour l'application de la Constitution, c'est une démarche qui n'a pas de camp, qui n'a pas d'idéologie, et que nous croyons que la diaspora haïtienne en premier lieu qui est victime de ça. Parce qu'il y a saisi, il y a volé tel là pendant le bac à venir, il y a volé Kaili, il y a saisi bien, il y a kidnappé Mounio, il y a pressionné Mounio, c'est eux-mêmes qui ont volé l'argent, ils ont décapitalisé au côté de l'IA. Donc il faut qu'il y ait la solidarité citoyenne au niveau de la diaspora haïtienne en premier lieu pour aller protester contre le Congrès, protester contre le département d'État qui a mené une politique de bavure en Haïti pour permettre que nous demandions. Maintenant, ce ne sera plus Ariel. Maintenant, l'heure est à l'application de la Constitution pour mettre fin à la crise, pour faciliter la paix sociale en Haïti et tout au long de la fête, de la fête, des fêtes de fin d'année. Mm-hmm. Et nous demander solidarité pour l'application de la Constitution 1987. Là. Bien que nous comptons qu'un pile acteurs politiques, sans abdio là, c'est pas même qui est intéressé ouvri. Parce que si il y a des propositions qui fait qui vraiment bon surtout et ça nous même dans chemin de livre ça Haïti fait et moi gagne en pile jeune dans et plateforme ça mais malheureusement il gagne en pile belle parole qu'a dit yo seulement arrêté et dans m'a dit dans petit parti côté nous parler seulement et puis il pas fait route li mais nous souhaiter et politiciens haïtiens eux-mêmes yo prend conscience et me toujours dit nous pas gagne un pays de rechange c'est seulement Haïti nous gagne c'est nous pas mettre tête nous ensemble pour nous résoudre crise ça et génération eux-mêmes yo ca victime de système ça nous la donne nous commencer vivre là juste commencer victime n'a prend deuxième pause d'on a tourner après dans dernière partie émission Island TV spéciale nous toujours gain avec nous sur plateau et Céliska Jean Élisée qui c'est un membre responsable dans plateforme politique et chemin délivrance Haïti les mêmes tout lycée membre alliance pour transition constitutionnelle et on t'ai parlé tout à l'heure d'un bagage qui vraiment important côté que on fait connaître depuis sous mandat ancien président Jovenel Moïse, nous t'as perdu des mois et même des années. Et tout le monde d'accord, et le président lui-même n'est pas de gagner assez de temps lui-même pour le mener gouvernement, parce que 3 mois loc, et toute la manifestation, et dans la rue a toujours bloqué, ça qui la cause lui-même, tout le pas de gagner liberté pour lui te faire et tout le mandat là. Mais c'est vrai que nous perdu et moi nous perdu année ça qui pas dérangé au gouvernement par contre et nous gagnons directrice information là qui c'est Sandy Nevea qui toujours a parlé de ça dernièrement reine Elizabeth est mouri et Canada était en discussion pour le dire elle perdu un jour pour ta comme si et prend ça comme congé à cause et Renan est mort, combien de milliers de dollars il a perdu? Pendant ce temps, nous-mêmes qui ont petit pays pauvre, ça n'a pas de problème. Nous faisons 3 mois loc, vous comprenez? Pays bloqué, c'est un soulagement pour le gouvernement. Par contre, économiquement parlant, n'a pas chuté. Donc, ça veut dire pour vous,
En tant que haïtien qui vit dans le pays, nous voyons un gouvernement lui-même qui passif, rien dans le pays pas dit rien, seulement gagner nous ouais, c'est plein poche et puis fini avec toute bagaille. Donc je dis on a vécu une situation qui vraiment vraiment difficile. Est-ce que là nous ka dit alliance ça, entente ça n'a mandé ya? Est-ce que ou elle capoter solution bien que à part de accord Montana lui-même qui était gétant et fait choix de un président avec un premier ministre qui pouvait diriger transition hein? Donc il y a l'autre parti politique tout qui était fait choix de Mounio pour venir mener transition pendant et PM Ariel Henry lui-même l'a gouverné et il était fait connait personne monde pas prendre de palais national si yo pas passé par élection. Bien que pas grand rien cap diriger dans le pays d'Haïti, mais lui-même il était osé, il dit. Je dis nous gagnons une autre commission qui montait, nous gagnons à la tête les leaders petite de Saline qui c'est Moïse Jean-Charles qui fait des propositions côté les vignes avec une madame qui c'est Eugénia Romain qui a vive au Canada qui t'a vienne présidente pour commission ça pour venir mener pays après élection, il était fait choix Edgar et Blanc. Et oui, justement, qui lui-même comme vice-président. Nous avons l'autre monde qui représentait et la presse, nous jouons Peggy Jean et tant d'autres et militants qui lui-même viennent nous représenter des différents départements. Je dis, est-ce que nous avons dit, en tant que ça, yo, plusieurs commissions montées, ça vient avec PAL, ça vient avec PAL, nous pensons payer à lui-même, et ce n'est pas plus mal, genre de proposition à yo à faire pays d'Haïti? Premièrement, si c'est pour activité, mouvement qui fait que le président n'a pas réalisé, donc nous-mêmes nous comprenons de l'autre façon, puisque le président Dumas est estimé pas de besoin tout le temps ça pour le faire, tout le temps nous faire là. Que je dis, estimé, considéré parmi une meilleur président qui passait dans le pays, mais au rang d'Hippolyte, au rang de Dessalines, meilleur penseur, meilleur bâtisseur. C'est-à-dire, on n'a pas besoin assez de temps, vraiment assez de temps, de quinquennat pour réaliser cette chose. Il faut qu'il y ait une politique publique en tel domaine, en sécurité, en infrastructure, en agriculture, en éducation. Une politique publique, leur arriver ou faire 1, 2, 3, 4. Parce que dernier régime politique nous avons, ou bien dernière administration politique qui passait dans le pays d'Haïti, surtout à partir de 1990, c'est des régimes corrompus que oui, ils ont laissé aller par la corruption. Pire recette qui vient dans caisse l'État et qui vient faire que nous pas arriver réaliser grand chose. Et deuxième élément, là nous arrivons, nous toujours arrivons sous base slogan. Donc on ne peut pas construire un pays pareil sur à base de slogan. Donc ça c'est un élément qui vient faire que ancien président Jovenel Moïse passe à côté. Au même moment que Michel Martelly, au même moment que Préval, que Aristide. C'est-à-dire que c'est un bagage si nous pas décider camper pour une partie sur de nouvelles bases, à savoir de politique publique dans tel domaine, on ne peut pas tout embrasser. Pas dire qu'on va faire tout le bagage dans la santé dans tel domaine. Donc, on va commencer avec tel domaine, dans 3 ans, on va voir qui résultat, bye. Maintenant, et nous te connaissons qui est-ce qui t'a mis en ce président Jovenel Moïse. Donc, le livre, c'est seulement n'a pas allé à l'TI, toute administration publique, c'était au mains de PHTK, Michel Martelier, Co. C'est-à-dire que, il n'y a pas vraiment gagné la mainmise de l'État pour que l'État décide de faire ça qu'a fait là avec une très bonne équipe. Oh, d'autant plus, c'est des gens qui viennent faire l'argent pour aller régler l'affaire. Puis, il faut que les gens aillent vivre à l'étranger. Pas de volonté vraiment pour construire là, pour faire route, pour faire ça, de bagages. Donc, normal, pas d'intérêt. Maintenant, et comportement politique, est-ce que c'est seulement un Jovenel Moïse qui est gagné? Non. La classe politique de son, dans son ensemble. Sinon, il va consommer les chèques qu'il a consommé là depuis 35 ans. Il y a des résultats. C'est-à-dire, la classe politique là, elle est animée de on s'aoule, on personnalité aiguë, on singularité, on t'a dit, côté que c'est le moi personnifié, côté que si c'est pas moi, il n'est pas bon. Ah oui. Vous remarquez, la démarche de Montana, c'est une très bonne démarche. Mais écoutez, comme disaient certains, comme disaient plus de 44 groupes politiques, pas décidé, mais ton président dans le pays, pas gagné élection. C'est-à-dire que. C'est ça que fait nous-mêmes nous jouer une place là. Parce que la dernière alternative populaire, ça a été daté le 29 mars 1987. Côté que tout le monde dit nous voulons constitution. C'est ça l'alternative. Lorsque 44 groupes nous dit que nous voulons mettre le monde qui est président, il n'est pas passé. Donc, c'est toujours une singularité, un moi personnifié, que nous pouvons vivre avec le leader de Petite Dessalines. Oui, tout récemment.
et que il décide lui-même, il dit on lève au bon matin, comme c'est moi qui fais manifestation, tout le monde disait moi qui ai pouvoir de convocation. Donc maintenant, je vais mettre un groupe de président qui passe à côté de toute sa gaine de réalité, de mythologie. C'est un ami, c'est un allié. Mais il faut dire la vérité. Écoutez, quand dans une famille, il y a un problème, c'est le père qui tranche. Mais et si vous réclamez tout d'un leader, il y a un problème dans le cas, alors venez, c'est tranché ou tranché. Soit vous annoncez que vous vous mettez aux côtés de Montana, vous vous mettez aux côtés du 11 septembre, vous vous mettez aux côtés de la Constitution. Et puis le SAO a dit que mettez le côté président absorti, l'autre groupe, on monte au cabinet ministériel, le temps ministère, et puis tout le monde attendait où. Même la communauté internationale prend en compte à ça. Bon. Mais ce n'est pas fini, en dépit de problème. Ce n'est pas un problème d'accord, ce n'est pas un problème de document, de proposition qui est là. Maintenant, c'est capacité pour leader à venir dire que n'a pas embarqué, oui, n'a pas. On gagne dans chaque et puis nous fait tel bagaille. C'est ça que c'est ça la faiblesse du représentant de Pédé de Saline qui fait que jeudi, pendant qu'on a parlé là, qui vient faire que ça vient faire, c'est juste une proposition en plus. Et tandis que au niveau de l'Alliance pour une direction constitutionnelle, nous ne va faire une proposition. Nous dit voilà le chemin. C'est pas une proposition. D'ailleurs, nous ne pas identifier qui est le président, nous ne pas identifier qui est le premier ministre. Nous disons, un, pour capable gagner un aspect légal, il faut aller vers la Constitution. Pour pouvoir maîtriser le pragmatisme, pour qu'à pragmatique, que nous allons faire des bagages 1, 2, 3, 4, rapide, éviter que le pays a perdu du temps, on fait ça plus rapide. Parce que nous disons, à quoi pas pour jamais arriver à entendre. Pas grand monde là. Et on te met Jésus là, on mette pour venir proposer comme président là, il y a quelqu'un qui a couru ici. Donc, là, on ne peut pas arriver dans une situation comme ça. Et puis, pour pouvoir faire accord, on ne peut pas jamais sortir dans soi. Et là, on a fait un recul, on a fait un travail. Mais nous allons faire dans Iber, non, un roman d'occupation que M. était écrit en 1915, qui est les simulacres. Et M. dit, c'est même bagaille ça, très ces pieds ça, en 1915. Que, et puis, pas de président, pas de la vie, pas de l'institution, tout le monde, DGI a collecté des recettes pour des nègres dans l'État, dans le secteur privé, toute activité campée. Et bien, le blanc paraît, il mettait directeur DGI, il mettait directeur de douane, il fait tout bagaille net. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons arriver là. Côté que pays en vide, et puis nous par contre, pays n'a pas gagné parler depuis 12 ans, pays n'a pas gagné président depuis 16 mois, mais ce n'est pas sérieux. Donc nous-mêmes, nous animons de pragmatisme politique, nous comprenons politique ou pas qu'attendre, ou pas qu'à quitter ton pays à marcher. Bon, pays n'a pas qu'attendre pendant 5 heures de temps, l'attendre pendant 24 heures. Donc nous devons arriver dans une démarche côté que nous comprenons que pays n'a pas qu'à perdre du temps, il faut que nous fassions une solidarité pour nous permettre que nous mettons un bagage en chita, même lorsque nous portons des corrections, mais qui permettent que nous allions beaucoup plus rapide. Et depuis nous, maman et papa, pas gagné en tête, ils ont difficulté tout le temps. Si son petit monde petit, il a la fièvre. Si c'est petit monde qui vit, il a un petit problème nutritionnel parce qu'il n'a pas gagné manger, pas gagné planification. C'est ça que nous-mêmes nous avons dit. Pas gagné planification. Parce que je dis, et un homme qui a décidé de dire, marché Petroville, c'est lui-même qui prend la recette là. Demain matin, il décide de débarquer dans des gens, il prend la recette là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, un monde qui a décidé de dire, même j'ai un quoi des bouquets, j'ai un ami là-bas, c'est un ancien juge. Et il dit que dernièrement, il y a un chef zone qui dit que en quel monde va prendre la rue. Donc, les gens qui prennent la rue avec Ouïghouaz, il y a pas les gros grands mondes. Ça, c'est pas sérieux. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que c'est ça qui arrive là. Et puis aujourd'hui, des gens qui font tout le temps ça, font bêtises, font des zones. Et puis, autant de. C'est même eux-mêmes qui étaient encore à Montana, qui étaient à Copen. Bon, oui, je dis, ils sont sortis encore. Ils font l'autre bagaille encore. Ah oui. Donc, il faut cesser avec cette barbarie, avec bagaille et plaisanterie, ça que le monde vient de nous pour rien. Or, autrefois, leur était besoin de mettre l'ordre dans certaines choses, prendre des initiatives, ils étaient toujours quoi que les Haïtiens ont apporté des grandes choses. Et jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des Haïtiens peuvent, mais c'est le monde qui prend le devant de la scène. C'est le monde qui décide que c'est eux-mêmes qui parlent pour nous. En pile fois, comme disait Victor Hugo, le gros mot remplace le mot juste. C'est-à-dire que comme c'est eux-mêmes qui occupent l'espace médiatique là, qui disent c'est eux-mêmes qui ont le pouvoir de convocation, donc maintenant, ils ont blasphémé Mounou. Voilà, c'est pas ça. Alors que nous sommes capables de nous que nous faisons des choses beaucoup plus rapides, que il y a des gens qui sont enseignants, ils ne disent pas vivre de politique, ils ont fait cours, ils ont enseigné. Son mécanicien, ils ont rangé la machine, ils ont utile famille. Donc, ils ne sont pas même intéressés avec question ça. Mais pour ça, nous ne pouvons pas faciliter seulement ça que nous demandons. Un camionnette, il dit qu'il y a des gens qui volent l'île pour manger la cali chaque jour. Mais faciliter que le cas passe sous Delma, faciliter que le cas renaissance là, parce que c'est l'État qui fait achat avec l'international dans la question de l'essence. Mais ça le mandé pour l'exister comme haïtien, pour le vivre comme haïtien, pour le rester dans le pays avec toute dignité.
et puis vous décidez de faire politique, je dis à Olivier, dit tel accord pas bon, mais nous on fait tel. Et puis ou pas jeune rien, mais il y a le problème c'est ça, c'est mon qui a vendu tout. Parce que nous pas accepter que journaliste a mouri. Nous pas accepter que journaliste pas à l'activité que l'apprenne. Et puis finalement c'est même monde ça qui vient parler là, ça y a vient dit. Donc nous autres au niveau de l'alliance, nous commençons à prendre bâton pèlerin nous pour nous dire et citoyen catholique là vaudouise qui pas dans manifestation mais pas dans manifestation pour raison ou l'autre parce que la police a bouillé gaz il ca prend balle marron il ca prend coup de wash il ca pire en business en face parce que de la photo lui dit là nous dit que nous même nous prend bâton pèlerin nous pour nous joindre nous. Le moment est venu pour que la solidarité citoyenne pour l'application de la Constitution et commence à manifester dans le secteur religieux, dans l'espace scolaire, dans l'espace d'échange, dans l'espace entrepreneurial, dans la diaspora, pour que nous fassions citoyens connaître que la meilleure façon nous arriver à une solution avant décembre, parce que la solution constitutionnelle, c'est une démarche dans moins de 24 heures. On procède à un juge à la Cour de cassation de maintenant parler. On dit que c'est Fridjan qui est Premier ministre. On s'entend autour de Fridjan. Et puis, l'alternative. Alors, si Ariel Henry ne veut pas, et puis nous commençons à dire l'international, voilà, nous voulons que la constitution de notre pays soit appliquée, et pour rendre justice à la société, pour mettre fin aux gangs armés, pour faciliter la livraison des carburants, l'ouverture des activités scolaires et autres. Et puis, voilà, nous comptons que l'international va dire que, ben, nous demandons pour que la loi soit appliquée, il faut que la loi soit appliquée dans le pays. Et c'est ça, demander, non moins que 24 heures. C'est ça, bien que nous connaissons acteurs politiques, dirigeants, nous connaissons là depuis 1986, et malheureusement, c'est eux-mêmes qui sont toujours là, bien que nous ne savons pas de conscience et patriotisme. Pour eux, exactement, moi, j'étais là pendant des années, moi, pas capable, ben, moi, puis malheureusement, nous connaissons pour voir le pays d'Haïti douce, nous ne savons pas voulu retirer quoi. C'était un plaisir pour nous de gagner sur le plateau NNTV, c'est l'ISCA, Jean-Élysée. Et c'est vrai, n'a pas les pays et grand pile jeune conséquent grand pile haïtien vrai qui t'a aimé pour Haïti changer, mais malheureusement y a pas gagné liberté, y a pas gagné couloir là. Mais avec la parole, nous connaît la parole peut tout faire, et avec la parole et des solutions qui vraies. Et nous connaissons, on joue la joue pour le pays d'Haïti. Et pour les Haïtiens eux-mêmes qui vivent dans le pays, qui sont conscients de l'erreur, qui sont conscients que n'ont pas gagné l'autre pays que ça, qui c'est pas nous, Haïti a besoin moi et l'a délivré. Merci, c'était un plaisir pour nous de gagner sur plateau à LNTV. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission. Ça, nous bon rendez-vous pour l'autre jour. Et merci avec tout staff technique à LNTV. Merci à Wilger Gentil, Kevin Loreston et Friendline Pierre, Sandini Eveyer. Et pour nous citer ça seulement, merci à tout le monde. Bye bye, à la prochaine.